Tu peux commencer par un petit magasin et puis tu as comme ça des succursales dans toute ta ville. On passe partout, on voit tes enseignes. On voit tes enseignes. L'Éternel est capable. Il est capable. C'est lui qui a fait manger le pain physique naturel et le poisson physique naturel à 12 000 personnes. Il mange et il reste 12 paniers. C'est lui qui prend le poisson comme cela, il distribue et mange. Les gens commencent à manger et ça ne s'arrête jamais. Le même Dieu qui a amené beaucoup de poissons dans les filets de pierre pour booster ses affaires, il est capable de venir dans ton entreprise, dans ta carrière, et que tu étonnes les gens. Parce que nous sommes fils d'un monsieur qui disposant de 3 onctions sur lui, comme prophète, comme stratège militaire guerrier, et toutes ces batailles sont des batailles de business pour le permettre de bondir, de bondir, de bondir. Et je crois que ton heure est arrivée. Tu me dis amen. Je sens cette onction se déverser à moi, affecter les hommes et les femmes, des familles entières. Alléluia. Qui me suivent en ce moment. Alléluia. Chez vous à la maison, tu es seul. Alléluia. Dans ta chambre. Alléluia. En train de me regarder sur cette émission. Il y a une puissance. Alléluia. Invisible. Alléluia. Authentique mais réelle. Alléluia. Qui sort des écrans. Alléluia. Qui rentre dans les zones. Alléluia. Qui traverse ton esprit. Alléluia. Ton âme. Alléluia. Ta chair. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que tu sois transformé en quelqu'un d'autre. En quelqu'un d'autre, en quelqu'un d'autre, en quelqu'un d'autre. Rukabari kababara sandabadi, ukara sandabadi kodo, orokobodi babara sandabadi kodo, irakabari karakoro songobodi kodo. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour des gens de ces choses. Il m'a oint pour ce moment spécial pour le monde. Et l'onction traverse, elle guérit les gens. Les démons quittent le corps. Les chaînes tombent, les liens se brisent en cascade partout, partout, partout. Elle affecte le business, elle te fait bondir dans ta carrière, elle traverse tes pensées, ta conception de tes affaires, ta manière de calculer, de parler avec les gens sont ointes. Au nom puissant de Jésus, personne ne te dira non dans les négociations d'affaires. Personne ne te dira, non, je verrai plus tard. Dès que tu parles, l'onction le persuade et le convainc. Il accepte, même s'il avait déjà d'autres engagements. Il va les laisser tomber pour revenir à toi. Reçois cette onction. Urakabari babara, sangabadikodo. Orosongobodikorosokobodikodo. L'onction descend sur toi. Éclaire ton visage. Que ton visage rassure. Quand quelqu'un te regardera, il dira, voilà la dame ou le monsieur. Ce monsieur me convainc. Ce monsieur est intéressant. Je pense que je peux cheminer avec lui. Je pense qu'on peut faire quelque chose ensemble. L'onction coule, 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 coule sur ton visage. Alors qu'hier, tu gagnais ta vie par les mensonges et les vols, cette fois-ci, tu verras la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il y a des choses qui se passent en ce moment partout, partout dans le monde, partout dans le monde, partout dans le monde, à cet instant même, à cette heure même, à cette minute même. Le Dieu des cieux impacte ta vie, il te donne notre cœur. Tu crois en la réussite, tu ne crois pas à autre chose, tu crois au succès de tes entreprises, tu as une seule. Mais deviendront plusieurs. Tu as une seule et seront nombreuses. Abraham en était en plusieurs choses. Isaac pareil. Jacob pareil. La plupart des ministres de Dieu, vous ne saviez même pas que l'apôtre Paul était dans les commerces des tentes. Il faisait le business. Reçois l'onction de business en toi. Reçois-la, 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 reçois-la. Que se déverse dans ta chair, dans tes veines, dans ton cerveau, dans tes langages, dans ta vision, dans ton coup d'œil, dans tes motivations nouvelles. Rukabarasan, quelque chose se passe, quelque chose se passe, quelque chose se passe en ce moment même. C'est le moment de réveil de tes business, réveil de tes idées, de tes projets. Tous les projets qui moisissent dans les flash disques, dans les fardes,
je les réveille. Projet, écoutez-moi. Marché, devenez réalité. Au nom puissant de Jésus. Bougez, bougez, bougez. Que tous les projets qui sont dans les papiers enterrés sur lesquels les sorciers étaient assis, que le feu de l'onction les consume, qu'ils s'élèvent, qu'ils soient chassés, que ton dossier s'élève, qu'il soit vide. Au nom puissant de Jésus. C'est lui qui aura un scénario de te combattre, de te bloquer par haine et méchanceté. Que mon Dieu de cette onction l'écrase, qu'il devienne ton marchepied. À défaut de venir chercher la négociation de Beersheba, qu'il soit éliminé et que son histoire rentre dans les annales et les gens sauront que Dieu est avec toi. Urasanga barira, urasanga bariko, ukamarika barasod, urasaka barimarashika barakoud. Que l'onction descende, circule dans les veines, dans les battements cardiaques, donne de nouvelles impulsions, de nouvelles motivations, de nouvelles déterminations pour rebondir. Cette fois-ci, c'est la meilleure. Cette fois-ci, c'est un saut, un bond en avant. Lève-toi et marche. Saisis tout. Mets la main à tout. Touche à tout. Tout sur quoi tu touches. Démarre. 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 S'articule. Je le mets en mouvement. Je le mets sous les roulettes. Que ça circule, que ça marche. Jésus est Seigneur. Urasa Kabari Babarasan. Tu es le même. Tu es le même, compatissant, miséricordieux. Tu as eu pitié de lépreux hier. Il y a encore de lépreux aujourd'hui que tu purifies, que tu laves par ton sang. Tu as eu pitié des malades hier. Il y a encore des malades que tu guéris en ce moment. Hier, tu es allé aux affaires de Pierre pour relancer sa business. Il y a des hommes et des femmes d'affaires. Que les petites affaires deviennent de grandes. Des grandes deviennent des plus grandes. Des plus grandes deviennent des très grandes. Des renommées de quartiers, de villes, de frontières et planétaires. Pourquoi seulement d'autres entreprises? Pourquoi seulement les multinationaux de renommée mondiale? L'air est venu pour que les saints deviennent numéro un. Chacun dans son domaine. De la médecine, de la science, de la chimie, de la technologie, de l'armée, de la police, de la politique. Monte, monte, monte. Et dès que tu arrives au sommet, maintiens, garde. Au nom puissant de Jésus. Urasanga barikod. Urasaka barikod. N'aie pas de peur que l'on te détrônera. N'aie pas la peur en toi que le poste n'est pas trop sûr. N'aie pas peur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et j'ai déversé l'onction authentique venant du ciel pour te confirmer là où tu es et pour te propulser là où tu devais arriver. Reçois-la, reçois-la, au nom puissant de Jésus. Quitte les rez-de-chaussée, monte au premier, au deuxième, au cinquième, au cinquantième niveau. Là, c'est que là que Dieu t'attend. Monte plus haut, car il est écrit, mon serviteur s'élèvera. Lève-toi maintenant. Lève-toi. Lève-toi. Tu as un mouvement ascendant, non descendant. Tu t'élèveras, tu grandiras. Il faut que les gens te voient. À la première marche d'escalier, à la cinquième, à la quinzième, à la dix-septième, à la trentième marche, jusqu'à ce que même celui qui ne te voyait pas de loin doit t'observer. Alléluia. Que tu deviennes un sujet de prière. Que tu deviennes une référence dans les requêtes. Quelqu'un dira, Seigneur, comme tu fais avec ma soeur, comme tu fais avec mon frère que j'avais connu avant, je veux que tu le fasses aussi dans ma vie. Que tu deviennes une référence de prière. Que cela commence maintenant. Cela commence tout de suite. Le Seigneur me dit que ça commence maintenant. C'est le moment de relèvement. De relèvement. Relèvement. De même que tu as été humilié. Et ton humiliation était connue. Ta honte était connue. Ta gloire aussi est en train d'être connue.
Les paroles que je dis sur toi sont des déclarations prophétiques. Amen. Les paroles que je prononce sur toi sont esprit et vie. Amen. Elles sont ointes. Elles arrivent jusqu'à toi. Amen. Elles font de toi un autre toi. Amen. Et te transforment en quelqu'un d'autre. Amen. En ce moment, Amen. En ce moment, Amen. Elles traversent ta génération. Amen. Tu es ton Abraham. Amen. Tes enfants sont des Isaac. De génération en génération. Amen. Le ruban est coupé. Amen. Entre dedans. Amen. Commence ta marche. Et personne ne t'arrêtera. De plus en plus grande. De plus en plus puissant. De plus en plus connu. Selon Dieu. Selon Dieu. Non pas par des manières des hommes. Par des formules humaines. Mais par la même tri d'Adonai. Qui te prend. Qui te lève plus haut. Crains-le. Aime-le. Serre-le. Et tu verras comment il est bon. Urasanga Bariko. Mon Dieu, je te bénis des choses qui se passent maintenant partout dans le monde. Je te remercie. Partout le monde, partout, qui est impacté par cette onction en ce moment. Tu relèves les familles. Tu relèves les affaires. Personne ne va fermer les portes. Ni de la pharmacie, ni de l'entreprise, ni de la boutique. C'est fini. Toutes les forces spirituelles qui te volent la joie, qui te volent la paix, qui font tomber ton véhicule en panne, qui font tomber les gens malades en succession, tu deviens ridicule, je les ordonne de quitter ton espace au nom puissant de Jésus. Dehors, 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 dans les abîmes des ténèbres, je souffle sur toi l'atmosphère nouveau, une nouvelle sensation, un environnement sain. Ouais. Et tu ressens, tu as les sensations que quelque chose de nouveau est arrivé. Tu as les sentiments que rien ne se passera autrement que la victoire, le succès. Fils d'Abraham, fille d'Abraham, les 12 aspects que tu as récupérés dans tes mains sont actionnés. Et démarre! 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 Démarre. Rejoins tes frères. Rejoins les juifs. Rejoins l'Allah. Rejoins l'anglophone. Rejoins-les dans ta part d'héritage de ce monde. Prends-la. Saisis-la. Dans ta main ouinte, saisis-la. Hukarasang. L'Éternel éloignera la maladie. Il permettra que tu connaisses un long moment de sérénité. De succès fulgurant, spectaculaire, qui étonnera, qui va effrayer, parce que c'est Dieu qui le fait, c'est lui qui le fait. Ouvre seulement ton cœur, sois sincère et reçois cette onction complètement et totalement. Reçois-la. Partout les choses bougent, partout. Toutes les marmites démoniaques dans lesquelles on avait caché ton argent. Tu ne travailles qu'avec de mauvaises personnes qui te volent, qui cherchent à te faire tomber en faillite. C'est fini. Au nom puissant de Jésus, c'est fini. Tout ce qui s'approche de toi pour te lorgner, pour te piéger, il ne supporte pas ta montée fulgurante. Ça ne vient pas de toi. Quelqu'un a aimé Jacob, il a haï Esaü. Ça ne vient pas de Jacob. C'est quelqu'un qui avait pris la décision. Vos haines vont tourner en cauchemar. Vos haines, vos méchancetés gratuites vous humilieront. Jusqu'à ce que vous connaîtrez, vous verrez la main de l'Éternel. L'heure de l'Éternel a sonné. L'heure de l'Éternel a sonné. Alléluia, alléluia. 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 L'onction prophétique, l'onction de prière, l'onction de révélation. Tu seras même inspiré sur quel type de marchandise, sur quel type de personne doit t'approcher. Maintenant, nous n'aurons plus autour de nous des enfants du diable qui ont des cœurs remplis de rapines et de méchanceté. Le Seigneur les éloigne
par la puissance de l'onction. Il assainit ton milieu. L'air est arrivé. Il assainit ton milieu. Seul ce pour qui tu prieras restera autour de toi. Seul ce pour qui ton cœur s'ouvrira. Sinon les autres, dès que tu as un sentiment qu'il y a une mauvaise personne, à la minute, Dieu va mettre ses œuvres à découvert et il fuira. Sinon, il sera frappé de mort. Tu t'élèves. Tu es rempli. Tu es rempli de promesses vivantes, puissantes, agissantes, efficaces, visibles. C'est toi la même personne. C'est toi la même personne. Tu croiseras des gens. Ils te poseront la question si c'est toi ou tu ressembles à la personne qu'ils ont connue. C'est toi. Et même qu'ils disent de l'apôtre, nous l'avions connu avant. Mais on ne l'avait pas connu comme ça. Et toi, en ce qui te concerne, tu entendras de telles phrases qui rentreront dans tes oreilles. Si cette onction est authentique, elle descend sur toi. Elle t'imparte où que tu sois en ce moment. Reçois-la. Il y a un Dieu qui est réel. Un Dieu qui se cache, mais qui sort de l'éternité pour entrer dans le temps et marcher avec l'homme. Et quand il marche, et ça devient visible. Tu as commencé petit. Mais l'air n'est plus à la petitesse. C'est à la grandeur, à l'excellence. L'onction met le collier dans tes yeux. Elle ouvre l'angle de ton zoom pour que tu vois grand. Et tu vois les choses en grand. Tu les vois en 4D. Spirituellement parlant, tu les verras même en 5D. Le 6D n'est pas encore là, mais tu verras ce que les autres ne voient pas. Tu toucheras aux choses spirituelles et tu auras un langage que personne ne maîtrise. Et c'est ce langage qui prendra la forme des choses. Afin que tu sois différent de tes contemporains, familiaux, sacerdotaux, dans les business, dans le domaine qui est le tien. Tu prends l'huile. 6 gouttes dans chacune des paumes de main. Les uns vous auront des visions exceptionnelles ce soir. Vous verrez les films, les cassettes de vos songes et vous apprécierez. 6 fois chacune des paumes de main. Après, tu fermes ta bouteille, tu commences à masser doucement tes 2 paumes de main. Tu fermes les yeux, tu ouvres le cœur. Car aujourd'hui, après la fin de ce culte, les choses que Yahweh Adonai a mis dans ma bouche et qu'il a oint et que j'ai sorti sur toi, l'onction d'huile physique que tu as dans les mains est affectée par celle qui est sur ma tête. Et l'huile naturelle devient surnaturelle. L'huile visible est impactée par l'invisible. Et les paroles qui sortent de l'homme deviennent les paroles de Dieu. Elles font des hommes. Elle ramasse les droits des fils. Elle récupère leur héritage. Elle converge vers chacun. Afin que la bénédiction d'Abraham, que tu vois de tes propres yeux sur le premier fils et le second, et que tu le vois, et qu'à leur tour les autres le voient sur toi. Comme ça tu auras la double onction de l'héritage céleste et terrestre.
afin que sa volonté s'accomplisse sur toi comme dans le ciel. Ce qu'il a décrété dans les cieux, que tu hériterais. Et ces décrets sont mis à exécution à l'heure où je parle. Tu poses tes deux mains sur la tête. Les yeux sont fermés. Tu poses les deux mains sur le visage. Tu vas rayonner comme jamais. Même celui qui ne regardera pas, mais saura que tu existes. Tu poses les deux mains sur le ventre. Et tu les poses aux pieds. Toutes les chaînes qui limitaient tes mouvements d'action, ton rayon d'action, se brisent. Tu pourras bouger à gauche et à droite, devant et derrière. Ton espace s'élargit. Ton sphère d'influence s'élargit. Ton rayon d'activité s'élargit. Sera illimité. Tu te déployeras à gauche et à droite. Tu vas te déployer devant et derrière. Tu auras toujours l'envie d'aller plus loin, être plus grand. Ce n'est pas des ambitions charnelles, c'est les motivations onctionnelles produites par quelque chose de surnaturel qui ne vient pas des hommes. On ne peut pas croiser un grand esprit et rester la même personne. De tes propres yeux, tu verras ce qui t'arrivera dans la suite des temps. Tu dis Amen. Encore Amen. Encore Amen. Tu peux acclamer le Seigneur de tout cœur, de tout cœur, de tout cœur, de tout cœur.